Merci beaucoup de vous abonner, de partager, commenter et de liker les vidéos. C'est la meilleure façon que vous pouvez aider la chaîne à grandir. Et bienvenue sur MTGQ. Aujourd'hui, une petite vidéo spéciale. Je regardais un peu où en était la chaîne, le nombre d'abonnés qu'on avait, le nombre de vidéos qu'on avait. J'ai parlé d'un Q&A à 200. Un Q&A à 200, ça nous mènerait en septembre, au rythme environ que je sors des vidéos, à peu près deux fois par semaine. Ça pourrait peut-être même aller en octobre, dépendamment. Fait que je me suis dit, 91 abonnés au moment de l'enregistrement. 143 vidéos, 144 avec celui que vous regardez présentement. On n'est pas loin du 150 vidéos. C'est un beau chiffron. On n'est pas loin du 100 abonnés. C'est un autre très beau chiffron. On est juste avant la sortie de War of the Spark. Ça, c'est pas un chiffron, mais on a tous out. Fait que je vais y aller comme ça. On a 144 vidéos avec celui que vous regardez présentement, deux publiés. J'aimerais ça faire un Q&A à 150, ce qui nous mènerait autour du 24 avril. Ouais, autour du 24-ish avril, on aurait notre vidéo Q&A. Questions et réponses au niveau de la chaîne pour célébrer le 150e vidéo. Au lieu de 200, on en fera peut-être un autre à 200 si ça marche bien. Chez MTGQ, on aime ça joindre l'utile à l'agréable. On s'est dit pourquoi qu'on ferait pas un petit concours pour célébrer ça. On n'en a pas fait pour le 1 an. On a fait un autre type de vidéo. On a fait un concours jusqu'à maintenant. On s'est dit on pourrait en faire un deuxième. Fait que c'est ce qu'on va faire. J'ai deux blisters ici. Guilde de Ravnica, Ravnica Allégeance. Ce que je veux, je vais faire tirer une des deux rares et foil s'il y en a au choix du gagnant. Je vais en ouvrir un tout de suite, puis l'autre, juste au moment du tirage, qui j'espère va être en même temps que le Q&A. Pourquoi j'espère? Parce que je vais le tirer à 100 abonnés. En fait, c'est pas vrai. Je peux pas dire ça. Je veux atteindre 100 abonnés avant le 23 avril pour pouvoir faire le tirage pendant le Q&A. On va y aller comme ça. Pour participer, c'est pas compliqué. Pour être éligible à gagner, on sait pas quoi encore. Puis on va en fait le savoir juste la journée du tirage. On va avoir la moitié d'une idée avant. Je veux que vous me posiez une question. Je veux que vous nous posiez une question sur la chaîne YouTube, dans les commentaires, soit sur MTGQ Channel ou sur le format Monarch. Puis on va passer les questions au Q&A. On va y répondre. Ça va nous peupler en même temps. On a déjà quelques questions qui ont rentré. On va compléter avec ça. Donc, si vous nous posez une question sur cette vidéo sur YouTube dans les commentaires, vous êtes éligible à gagner une des deux rares plus foil. S'il y a des foils, puis c'est à votre choix. On va voir. J'ai aucune idée. Je ne sais même pas quel qu'on va ouvrir là, puis quel qu'on va... qu'est-ce qu'on va poigner après. Avant de procéder à l'ouverture, on va prendre un dé pour le hasard tantôt. Pour toute autre question relative à la vie, à l'univers et le reste, vous le savez, la réponse est 42. Donc, je veux qu'on pose des questions sur la chaîne et sur le format Monarch. Évidemment, un petit disclaimer, MTGQ se réserve le droit de supprimer tout commentaire qu'il considère offensant ou hors sujet. Le gagnant du concours, lorsqu'annoncé, devra communiquer avec nous via message privé pour l'adresse pour la livraison. Donc, hein, on va y aller au hasard. Père impair? Père impair. OK. Père impair, père. Donc, on ouvre le guide de Ravnica tout de suite. On va voir c'est quoi qu'il y a dedans. Puis l'autre, on va l'ouvrir au moment du tirage. Je vous rappelle, le tirage, j'aimerais ça qu'on atteigne 100 abonnés. On est en 91, il en manque juste 9. C'est pas long.
qu'on atteigne 100 abonnés d'ici le 23 avril pour que le 23, je puisse faire le Q&A puis essayer de poster autour du 24 le Q&A et le tirage pour la vidéo numéro 150. Donc, évidemment, pour éviter des frais de poste inutiles, les communes, les non-communes, on va passer dessus, mais les foils et les rares. Sinon, je ne veux pas que ça coûte. Surtout si vous envoyez où. J'envoie outre-mer, parce que j'envoie n'importe où dans le monde. Fait que rare foil. Veldaken Mesmerist, Ornery Goblin, Skyland Scoot, Wall of Mist, Bratizan Bat, Dev Karen Dissident, Gateway Plaza, Deadweight, Undercity Uprising, Farillion Patrol, Might of the Masses, Rock Charger, Cold Swarm. Ah, c'est une rouge. Ah, c'est pas un Phoenix, c'est un Legion Warboss. Deux colorless, un rouge, deux gobelins, Soldier, Mentor. Au début de ton combat turn, tu crées un 1-1 gobelin créature. Il y a haste et il attaque ce combat si possible et on n'a pas de foil présentement. Donc, tu me poses une question sous la vidéo sur YouTube, sur la chaîne ou sur le format Monarque et tu cours la chance de gagner soit un Legion Warboss ou on ne sait pas quoi encore. À ton choix. Donc, je répète, si on est capable d'atteindre 100 abonnés d'ici le 23 avril, je vais faire le concours, le Q&A, 150 vidéos. Advenant le cas qu'on n'atteint pas le 100 abonnés pour le 23 avril, le tirage va avoir lieu pareil. Ça va être au moment où je vais atteindre le 100 abonnés, je ferai le tirage et je ferai le Q&A peut-être à 175. Je verrai. J'aimerais ça que, pour la fin d'avril, atteindre ces objectifs-là. Donc, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez participer en grand nombre. C'est pas compliqué. Une petite question sur la chaîne ou sur le forum Monarque. On va répondre aux questions au Q&A. Vous êtes éligible de gagner soit un Legion Warboss ou ça va être une surprise. On ne sait pas quoi. Donc, sur ce, sans plus tarder, je vous laisse. Merci de liker, partager, et bien sûr, commenter, puis abonnez-vous, parlez-en à vos amis. Ça vous coûte quelques secondes d'écrire, poser une question. Vous êtes éligible, ça va nous faire plaisir d'y répondre. On attend vos questions en grand nombre. Je vous souhaite une excellente journée.